Si tu es déterminé, il n'y a rien dans ta vie qui peut t'arrêter. Rien. Rien. Parce que la détermination, c'est la émouna. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Rien. Absolument rien. Je vous ai dit déjà combien de fois j'ai vu pour Ouman des miracles, des choses incroyables, des gens qui sont venus complètement, des situations complètement au-dessus de toute valeur logique, au-dessus de toute logique. Et les gens, ils sont arrivés sans passeport. J'ai amené quelqu'un sans passeport au temps du communisme. Il fallait des visas. Sans passeport, il est venu. Sans passeport, il est rentré en Russie à l'époque. Sans passeport. C'est une question de détermination, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut avoir dans la vie. La détermination, c'est cette patience-là. C'est-à-dire le fait qu'on liquéfie. Vous voyez, l'eau, elle ne s'arrête jamais. Vous ne pouvez pas arrêter l'eau. L'eau, elle part. Là où il y a la moindre fissure, elle passe. Elle va partout. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est un fleuve, une source de sagesse. C'est de l'eau, ça coule sans arrêt. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Rien, rien. Rien qui peut arrêter. Il faut être comme ça, sur les points absolus. Sur les points relatifs, au contraire, les points relatifs, vous laissez tomber, pas grave. Qu'est-ce que tu veux manger et tout, ce que tu veux, c'est pas important. Ce qu'il y a, ça n'a aucune importance. Mais il y a les points d'absolu, c'est sur ça qu'il faut. Et bien, Breslever, quand il était veuf, quand il a dû se remarier, alors quand on lui a présenté sa future épouse, elle lui a dit, comment c'est la vie, qu'est-ce que tu veux et tout. Il a dit, moi, une chose, Khatsot, le reste, ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai une seule chose, c'est Khatsot. Bien sûr, Ouman Rosh Hashanah, Khatsot. Le point de Khatsot, c'est ça ma vie. À part ça, ce que tu veux. Le manger, fais ce que tu veux. Les trucs, fais ce que tu veux. Les meubles, fais ce que tu veux. Tout ce que tu veux, tout, ça n'a aucune importance. Ça, c'est le point vital. C'est le point central. C'est là où il va y avoir tout. Le reste. Alors, vous voyez, il faut juste savoir comment gérer les choses. Il y a des choses qui n'ont aucune importance. Tu veux aller manger quand on aille manger chez tes parents, on va manger. Tu veux passer Shabbat là, pas de problème. Ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Tu veux que je mette des chaussures violettes, je mets des chaussures violettes. Tu veux que je mette un chapeau vert, ce que tu veux, ça n'a aucune importance. Il y a des points. Au moins, Rosh Hashanah, Khatsot. Le reste prend tout.